Paco et Emmanuel pour la nuit. Je vais vous demander de travailler la première portée. Donc en fait, c'est la première ligne. Vous avez les notes pour vous aider, pour voir quand est-ce qu'on monte dans les aigus, quand est-ce qu'on descend. Et vous avez aussi le texte en dessous. Pour l'instant, je vais vous demander de chanter des la la la. Je vais vous demander de me chanter la la. 3, 4. 3, 4. Et ensuite, vous allez chanter la la la. 3, 4. 3, 4. Ensuite, vous allez chanter la la. 3, 4. 3, 4. Essayez de vous enregistrer quand vous chantez, parce que comme ça vous pouvez entendre si vous chantez juste ou pas. Concentrez-vous bien sur le son de la note. Chantez avec votre voix aiguë, c'est la plus jolie de toutes. Ouvrez bien la bouche et concentrez-vous, chaque note doit être parfaite. Maintenant vous allez me faire la la la. 3, 4. 3, 4. Et enfin vous allez me travailler la la. 3, 4. 3, 4. Et il va falloir que vous visualisiez l'écart entre chaque note. Et ça, je sais que c'est difficile, mais pour chanter juste la note du premier coup, il faut savoir à quel écart, et donc il va falloir que vous chantiez tous les jours pour en être sûr. Vous allez me faire, donc, je vous le chante, chanter en même temps que moi. 3, 4. La, la, la. Avec le métronome, 1, 2, 3, 4. La 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 la. Enregistrez-vous en train de chanter ça en même temps que moi pour être sûr que c'est juste. Et une fois que vous connaissez l'air par cœur et que vous êtes en rythme, on rajoute les paroles. Et ça va nous faire ça. 1, 2, 3, 4. Omi, viens apporter à la terre. Attention, on monte bien dans les aiguilles, on redescend. Voilà, travaillez bien les garçons, il faut que la semaine prochaine vous puissiez me chanter ça de manière juste. Donc faites bien attention à la qualité de votre voix sur ce phrasé-là. Travaillez bien!